Eh bien salut YouTube, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, cette vidéo est très particulière. j'ai perdu un défi récemment, j'avais promis de ne pas passer au-dessus du top 800. Si vous suivez mes streams régulièrement, vous avez vu que je suis passé un peu après le top 800 Europe. Gars, je fais un deal, si on passe au-dessus de 800 légendes, top 800, je fais un... si on passe au-dessus de 800, top 800 Europe, je fais un tuto make-up. Mais c'est pas le cas, hein. On va passer là, on va remonter top 100 direct, je reverrai plus jamais la couleur de ce rang-là, hein. Mais on fera un top, on fera un tuto make-up, ok? C'est promis. Bon, on verra. Donc je vais essayer de remonter évidemment, mais une parole est une parole, et pour vous prouver que je ne suis pas un escroc, je vous présente aujourd'hui l'émission spéciale LOLO Make-up. Évidemment l'émission réservée aux gens beaux, hein. Donc dans un premier temps, si vous êtes moche, vous pouvez quitter cette vidéo, ça ne sert à rien, je ne peux rien faire pour vous, hein, voilà. Aujourd'hui on va présenter un petit peu de maquillage pour messieurs et pour mesdames, bien évidemment, qui vous permettra d'être beau en toutes circonstances, d'être stylé et voire même de passer les gens et d'être un PGM dans tous les jeux vidéo. Voilà, j'ai du maquillage un petit peu adapté à chaque situation, on va présenter un petit peu ça. J'ai un petit peu de fond de teint qui est présent ici, qui sert de base, on va dire, au visage, notamment avec les lights, etc. C'est très important. Vous savez, quand vous êtes extrêmement fort au jeu vidéo, vous devenez automatiquement une star telle un Michael Jackson ou un Grégoire Baudin. Hein, voilà, donc vous allez avoir besoin de fond de teint, histoire de ne pas vous niquer la peau avec tous les projecteurs et les flashs des fans et des fan girl en furie. Voilà. On va également avoir un petit peu de poudre que j'ai ici avec un pinceau qui va nous permettre évidemment de couvrir un petit peu le fond de teint. Ça ne m'intéresse pas. Directement ici, on va commencer avec un petit peu de fond de teint qui m'appartient, hein, bien évidemment. Hop, donc on en étale un petit peu sur les doigts de la sorte, comme ça, tac, et on en met un petit peu partout sur la peau. Si vous avez des boutons par exemple, c'est très pratique parce que vous pouvez cacher les boutons, on ne les voit plus. Hein, voilà. Si vous avez des points noirs sur la peau, ou si vous avez des grains de beauté, ou si vous avez une partie de votre visage, si vous n'avez pas vos yeux par exemple, vous pouvez les camoufler. Voilà, vous les camouflez comme ça. Il est très important de appuyer un petit peu comme ça, histoire que ça rentre bien dans la pointe, vous savez, dans le petit trou. Hop, tac, voilà, hop, très très important. Alors pour l'instant vous allez me dire, on voit pas trop la différence, c'est normal parce que de base je suis déjà extrêmement séduisant. Mais en dehors de ce fait là, hop, pour un être humain normal, c'est vrai que ça peut être très très pratique. Je regarde en bas parce qu'il y a un petit miroir, hein, voilà. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec, voilà, avec les bails, le contexte, avec tous les petits rudiments du maquillage. Voilà, un petit peu de fond de teint, là on se met super bien. Là déjà je me sens un petit peu plus beau, je me sens un petit peu plus apte à aller affronter des gens et passer rang légende, par exemple, hein, tout simplement. Ou rang légende, quand je parle d'Hearthstone, évidemment je sais qu'il y a des gens qui jouent pas Hearthstone qui vont regarder cette vidéo. Donc éventuellement également passer Challenger sur League of Dota. Ou diamant sur Overwatch. Hein, voilà, c'est adapté à tous les jeux vidéo. Ce maquillage-là, évidemment, il suffit juste de bien le mailler. Voilà, hop, un petit peu de poudre sur son visage. Voilà, voilà, comme ça les beaux gosses. Alors là, les filles qui font du tuto make-up là vont être en sueur, hein, parce que ce tuto make-up va mettre à l'amende absolument tout le monde. Là maintenant que on a fait la base du visage, hein, déjà, oui, hein, déjà vous sentez un petit peu le level, ça pèse un petit peu, j'ai tapé dans le micro, ça a dû s'entendre. Maintenant qu'on a fait un petit peu la base du maquillage du visage avec le fond de teint, évidemment il n'y a plus aucune imperfection sur mon visage, très très beau, on va pouvoir passer à d'autres petits détails tels que le rouge à lèvres par exemple. Voilà, hop, le rouge à lèvres, très très important, un homme, un vrai, se doit d'avoir du rouge à lèvres, tout simplement parce qu'il n'a pas à prouver sa virilité et qu'il peut profiter pleinement. Comment ça, c'est comme ça, voilà, superbe. Hop, j'ai des petits mouchoirs pour me suivre les doigts, évidemment, après avoir manié le fond de teint tel un professionnel. Avec le rouge à lèvres, nous allons appliquer du maquillage un petit peu sur le visage. Beaucoup de gens s'en servent pour les lèvres, mais je pense que c'est un abus d'utilisation de ce produit. Je pense qu'il est beaucoup plus adapté pour, voilà, finalement, hop, hop là, pour, voilà, finalement, des traits sur le visage, par exemple, voilà. Des traits sur le visage, ça c'est vraiment parfait. Parce que pourquoi? Vous allez me dire pourquoi le rouge a des traits sur le visage? Bah, tout simplement, si vous jouez druide aggro par exemple. Aujourd'hui, si vous jouez druide aggro, eh bien, il est très important d'avoir, voilà, un petit peu. Je ne sais pas si on verra, je vais essayer de faire des petits zooms avec, pendant le montage, mais voilà, hop, des petits traits comme ça sur le visage. Voilà, voilà, hop. Et là, on sent déjà que le joueur pèse. Hein, voilà, je suis en condition réelle, condition camouflée de druide aggro. Voilà, bam. Et là, votre adversaire, quand il va tomber contre vous avec un maquillage pareil, il va pas vous voir, en fait.
il ne va pas vous voir, il va penser que vous êtes un druidjack potentiellement. Il va pas du tout voir le coup arriver et bam! Ensuite, vous le tuez à coup de rugissement sauvage au tour 3 et vous avez gagné la partie. Donc voilà, moi j'essaye de faire ça proprement. Voilà. Je sais, ça peut paraître bizarre de se mettre du rouge à lèvres ailleurs que sur les lèvres, mais sachez que vous êtes en compagnie d'un professionnel et que je sais ce que je fais. Tout simplement, je manie les instruments de maquillage comme si j'avais fait ça toute ma vie. Voilà, hop, là un petit peu de rouge à lèvres, déjà on se sent un petit peu plus en situation déjà, un petit peu, là déjà on peut faire des Gelderstone en toute sérénité. Hein, on sait qu'on est beau, on sait qu'on est stylé, on sait qu'on est adapté, on sait qu'on est prêt, donc pas de soucis. Après on peut rajouter, voilà, par exemple des paillettes, si jamais vous jouez des decks un petit peu plus, des decks de lâche, hein, comme j'aime les appeler, des decks de baltringue, comme prêtre, hein, voilà, et bien vous êtes une baltringue, donc il est très important de mettre des paillettes pour qu'on vous reconnaisse directement et qu'on vous tape dans la rue, hein, si on vous croise. Donc là voilà, hop, petite paillette comme ça, hop, voilà, et voilà, et comme ça vous êtes, hop là, comme ça marche, ah, c'est comme ça, du coup ouais, avec la gravité c'est vrai que vous faites le mettre vers le haut. Ouais, ça se voit pas beaucoup, mais hop, voilà. Moi, je m'en sers pas souvent de ça, parce que vous savez, moi, je joue que des decks bien virils, des decks de bonhomme, hein, finalement, comme Warrior Control ou, à l'heure actuelle, peut-être Shaman Secret. Donc, bah, finalement, ouais, je mets des maquillages un petit peu spéciaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter? Ce maquillage, alors ça, vous avez plusieurs, alors là, vous n'avez probablement pas le voir à la caméra, mais chacune des couleurs de ce maquillage est adaptée à une classe d'Hearthstone, par exemple, ou à une arme dans un FPS, type Call of Duty. Voilà, hop, on récupère directement le pinceau qui va nous permettre d'appliquer du maquillage un petit peu sur notre peau. Donc là, par exemple, ce maquillage-là, je vais le mettre un petit peu plus sur mon front. Hein, étant donné que j'ai un énorme front parce que je commence à avoir la calvitie, ça va être très, très, très pratique pour camoufler la calvitie. Là, regardez, là, quand vous me voyez comme ça, vous vous dites, le hello, c'est sûr calvitie, sûr et certain calvitie. Là, si je fais comme ça, tac, un petit peu sur mon front, comme ça, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. On dira pas que j'ai pas eu les bosses de le faire. Hein. Si je mettre ça sur mon front, vous allez voir. Là, les gars, là, vous allez être. Parce que vous savez, toujours, le maquillage, quand vous êtes en train de vous maquiller, c'est pas encore terrible. Finalement, le plus important, c'est le résultat. Le résultat qui compte, évidemment, et la finalité. Hein. Peu importe le rendu au début. Ça n'importe personne, tout le monde s'en fout. Voilà, hop, hop. Et là, déjà, regardez. Là, déjà. Hop, on ne voit plus du tout que j'ai une calvitie. Pourquoi? Parce que mon front est moins large. Ça, c'est du maquillage pour des gens bien virils. Des gens, par exemple, ça va dépendre de la casque que vous jouez, mais également de votre couleur de peau. Par exemple, moi qui suis black et musclé, je vais peut-être rajouter un petit peu de couleur dorée. Voilà, de couleur dorée que je vais rajouter ici. Tel un pharaon, hein, finalement, un pharaon. Voilà, ça met du doré, il n'y a pas de souci. Un pharaon tel Cléopâtre ou encore Jules César. On peut, voilà, profiter un petit peu, être fidèle à nos origines. Voilà, un petit peu de doré, je ne sais pas si ça va se voir. Hein. Je ne sais pas du tout, regarde mon visage. Est-ce que ça se voit? Est-ce qu'on voit bien le maquillage là? Est-ce qu'on voit bien? Ouais, je pense que ça se voit bien là. Putain, je dois bien avoir une tête de con, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Et puis, quand on a fini tout ça, j'aime bien, ça c'est ma petite touche personnelle, resepoudrer d'un petit peu de poudre, histoire qu'on voit pas qu'il y ait du maquillage. Hein, dans la rue, c'est quand même un petit peu humiliant d'avoir du maquillage. Donc, voilà, avec un petit peu de poudre, on ne voit plus rien. Hop. Voilà, voilà, hop, 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 et hop là, voilà. Donc là, normalement, voilà, là, normalement, tuto maquillage parfait, vous êtes bien maquillé. Ah merde, j'ai oublié un truc super important, j'ai pas présenté les marques. C'est très important quand on fait un tuto make-up de présenter les marques pour se faire un maximum de thunes. Évidemment, j'ai vu d'autres youtubeuses beauté qui disaient tout le temps les marques, etc. Donc moi, je me suis dit, je vais faire pareil. Donc ça, c'est L'Oréal. Voilà, L'Oréal Paris, évidemment, vous pouvez acheter, c'est du fond de teint, n'hésitez pas à en acheter en quantité maximale. Ça, il n'y a pas de marque. Ça, c'est marqué Naked. Naked. Qui signifie plonger en anglais, évidemment. Et on a également, qu'est-ce qu'on a d'autre comme marque? Donc Naked, n'hésitez pas à en acheter, voilà. Et après, le mascara, etc., je connais pas trop les marques, mais ça a l'air d'être de Bombay, quoi.
en tout cas, voilà. Voilà, là j'ai dû déjà me faire au moins 10 000 balles, donc c'est plutôt cool. J'espère que vous avez kiffé ce tuto make-up. C'était un petit peu, fait à l'arrache, mais je devais tenir mon gage. J'ai un autre gage à tenir, celui qui me vaut le titre d'escroc, qui est évidemment la drague dans la rue des filles. Ça va arriver, vous en faites pas, on est dessus. Maintenant que voilà, je commence à avoir un petit peu les moyens, on a des caméras, on a des trucs, ça commence à être cool. Voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me donner de prochains gages, de prochaines idées de gages, ça peut être très très marrant. Des bisous à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.